Moi, je pensais à cinq choses qui constituent un début d'opérationnalisation de, tu vois, de la position des valeurs cardinales, Ouais. égalité, justice, dignité. Et ces cinq choses, c'est, premièrement, la garantie économique générale. Bon, en gros, c'est le salaire à vie de Friot. La souveraineté des producteurs associés, deuxième point. Le droit, alors là, je vais le dire d'une manière, je le sais, hein, d'une manière navrante. J'ai rien trouvé d'autre. D'autres feront mieux que moi. Le droit au cadre de vie. Tu vois, le cadre de vie, on se croirait revenu sous Giscard. Tu vois, il y avait un ministère du cadre de vie. C'était avant qu'on puisse dire le ministère de l'Environnement et même le ministère d'écologie, c'était impensable. Mais je dis cadre de vie parce que c'est à la fois ce qu'on voit au dehors et ce qu'on voit au dedans de chez soi. Tu vois, ça inclut le logement, la qualité des logements, et pas seulement de l'environnement des logements. Donc, Tu mets toute la question écolo là-dedans? là, absolument. D'accord. Le droit au cadre de vie, donc, le droit au temps. Ce qui me semble un impératif. Et la dernière chose, liste tout à fait non exhaustive, l'exigence du contrôle démocratique citoyen de toutes les institutions. Voilà. Donc, garantie économique générale, souveraineté des producteurs associés, droit au cadre de vie, droit au temps, contrôle démocratique de toutes les institutions. Bon, je veux dire, il manque des trucs, les formulations sont imparfaites, mais... déjà, peut-être, ça commence à concerner du monde.